Qu'est-ce qui t'attend? On doit foncer. Ça a fait l'igratimité. Allons-y! Ne lâche rien, soldat. Continuez d'avancer. Attention à ces coups puissants. Je ne pensais pas revoir le continent. Merci pour ton aide. Une autre amie à toi? Ton ami à fourrure vient ici chaque jour depuis une semaine. Il savait que tu reviendrais victorieuse bien avant que je le sache moi-même. 10 ans. Bienvenue, mon ami. Tu as réussi l'impossible. Et Garth, bienvenue à toi aussi. Bienvenue? Tu me déranges. Alors ôte-toi de mon chemin. Ta connaissance de l'ancien royaume est grande. Tu sais donc que tu ne peux pas détruire la flèche seule. Notre but est le même. Je te demande d'écouter l'offre que nous avons à te faire. D'accord, je t'écoute, mais je ne promets absolument rien. Je vais avec Garth. Hammer est à l'auberge de Rookridge. Tu devrais aller la voir avant de me parler. Elle sera ravie de te savoir de retour. Oh tiens, tu auras besoin de ça. Prends ma main, Garth. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Est-ce que j'ai le choix? Tu es assez célèbre pour utiliser l'expression « rire effrayant ». Comme tu le vois, le temple a bien prospéré pendant ton absence.
Sans ton aide, cet endroit serait désert et ses disciples morts ou en exil. Hey, vous êtes plutôt du genre à aller dans les grottes, les donjons et autres, hein, quand quelqu'un vous le demande. Alors, vous pouvez m'aider. Et là, c'est mon chez-moi. Je vis dans cette très jolie petite caverne qui n'est presque pas humide, en fait. Mais j'en ai été chassé par une famille de hobbes. Je suis venu me réfugier dans le temple, mais si vous pouviez chasser ces créatures de ma grotte, je pourrais peut-être rentrer chez moi. C'est quand même pas quelques petits hobbes qui vont vous faire peur. Il est officiellement l'heure de se coucher. Ah, bienvenue, ma chère amie. Faites un don à notre temple et recevez la bénédiction de la lumière. Chacun de vos dons vous apportera sagesse et sérénité. Merci pour votre généreux don. Why?
Vous deviez être leur repas, mais vous les avez tués! L'assassin! Ça va mal, j'ai bien peur. D'autres gens ont été kidnappés. Êtes-vous partant pour une autre opération de sauvetage ?
Content que vous acceptiez. Tout est sur la feuille, comme d'habitude. Je n'ai jamais été aussi soulagée de toute ma vie. Merci. Ah, je me demandais si j'allais vous revoir. On vous doit beaucoup. Alors, qu'en pensez-vous? Ça va mieux ici depuis la dernière fois, vous ne trouvez pas? Mais je deviens trop vieux pour cette vie. Je songe même à tout arrêter. Vous savez, laisser la ferme à mon fils, pour qu'il puisse s'installer avec une jolie fille et fonder une famille.
comme celles qu'on formait avant qu'on nous enlève Madjeni. Enfin, ça se présente mal. Mon fils est un gentil petit gars, vous voyez. Mais il est pas très doué avec les femmes. J'ai fait de mon mieux pour l'aider. J'ai même essayé de le caser avec une fille de la ville. Mais ça n'a pas marché. Il n'a parlé à aucune fille depuis. Peut-être que vous... Je ne sais pas, vous pourriez l'aider un peu. Oh, enfin, je ne veux pas dire que... Je vois bien que vous n'êtes pas prête à vous caser. Vous pourriez parler aux filles de la ville. Expliquez-leur que c'est un bon parti. Elles vous écouteront. Formidable. Oh, merci, ça me touche vraiment. Tenez, prenez ce portrait de lui, pris par un type du nom de Barnum. Je l'ai attendu à un bail, mais c'est ressemblant. Vous ne trouvez pas? Rupert est dans le champ sud. C'est mon père qui t'a envoyé. Écoute, dis-lui qu'il peut arrêter de m'envoyer toutes ces traînées. Je sais qu'il veut que je me trouve une femme et que je me range, mais ce ne serait pas moi. Je ne veux pas me marier à une femme, quelle qu'elle soit, tu comprends? J'aimerais le lui dire, tu sais. Il comprendrait peut-être, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il a l'air parfait. Tenez, voici mon nom et mon adresse. Dites-lui de venir me voir dès que possible. Démon. Je suis toujours ravi de vous accueillir dans mon magasin. J'espère que cela vous satisfait pleinement. Vous avez acheté un bien bel objet. Profitez-en. J'espère que cela vous satisfait pleinement. Vous avez acheté un bien bel objet. Vous avez acheté un bien bel objet. Profitez-en. Profitez-en. Vous avez acheté un bien bel objet. Dis-moi, comment quelqu'un qui tire aussi mal peut encore être en vie? Ah, vous devez avoir une salle. Félicitations pour avoir... Le dragon a volé mes... Alors, elle est jolie? Je suis sûr que oui. Bien, notre amie t'a aidé à trouver une copine. Elle m'a trouvé... quelqu'un, oui. Bonne nouvelle! Mon fils s'est enfin trouvé une femme! Oui, on dirait. Ça n'a pas l'air de vraiment te réjouir, fiston. Qui est-il? Ça ne va pas. Désolé, je ne peux pas continuer, c'est trop dur. Mais pourquoi? Écoute, papa, j'aurais dû t'en parler il y a longtemps. Je n'aime pas les filles. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'aimes... Oh! Quel idiot je fais! Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. La façon dont tu as laissé tomber Sonia. Et moi qui pensais que tu ne lui plaisais pas.
Tu plaisantes? Elle m'a sauté dessus. J'ai dû la repousser à coups de râteau. Je savais qu'elle était plutôt directe. C'est pour ça que je l'avais choisie. Oh, papa. C'était la nuit la plus traumatisante de toute ma vie. Alors, tu n'aimes vraiment pas les filles? Non. Et l'agriculture non plus, d'ailleurs. Oh, d'accord, je vois. Que vas-tu faire, alors? Eh bien, j'ai toujours rêvé d'habiter dans une ville. Je vais rester seul dans cette vieille ferme, alors. Ne sois pas bête. Je ne vais pas te laisser seul ici. Vends là et suis-moi. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Bien. Tant que mon fils est heureux, moi aussi, je le suis. Encore une fois, je vous dois beaucoup. Évidemment, si la ferme vous intéresse, je vous ferai un bon prix. Je préfère qu'elle aille à quelqu'un de confiance. Tu es assez célèbre pour utiliser l'expression « va te faire mettre ». Vous n'avez pas quelque chose pour moi? Enfin! Quelle merveille! Oui, merci. J'ai une autre aventure archéologique pour vous, si ça vous tente. Bien, je vous ai noté tous les détails. Nous bénéficions de... des bons auspices du soleil et de la lune. On ne te connaît pas, mais je sais qui vous êtes. Incroyable. Content de vous rendre service.
C'est un bel objet. Profitez-en. Revenez quand vous voulez. Revenez quand vous voulez. Revenez quand vous voulez. C'est un bel objet. C'est un bel objet. C'est un bel objet. Revenez quand vous voulez. Profitez-en. C'est un bel objet. Profitez-en. Revenez quand vous voulez. Profitez-en. Ah, vous faites partie de la haute société qui nous oppresse, hein? Il est officiellement l'heure de se coucher. Extinction des feux! Yeah! Hallucinant! Vous n'avez pas quelque chose pour moi? Comment ça va? Enfin! Merci. Êtes-vous ici pour un fascinant voyage dans les mystères du passé? Affronterez-vous de grands dangers pour trouver des antiquités? J'ai déterré quelques informations pour vous guider. Tiens, c'est pour toi. Salut, moineau. Youpi! Oh, il est vraiment adorable. Vous êtes unique. J'ai failli me faire tatouer l'autre soir. Mais où? Yeah! Oh.
Oui, merci. D'autres exploits fabuleux sont possibles dans le domaine de la recherche d'objets anciens. Enfin, si ça vous tente. Excellent. On doit dénicher jusqu'au dernier de ces artefacts. Thank you.
Parfait, vous avez rendu un fier service à l'anthropologie et tout le reste. J'ai une autre aventure archéologique pour vous, si ça vous tente. Excellent. On doit dénicher jusqu'au dernier de ces artefacts. De m'avoir réservé tout ton or, un joli bout. Relève-toi, bandit. Il t'aime bien.
regretter d'avoir osé nous regarder. Thank you.
Vous êtes plus un as du tir qu'un as du tir. Ah oui, c'est bien ça.